téléspectateurs de Congo Live Télévision, vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout au monde, même en République démocratique du Congo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver une fois de plus. L'intérêt que vous ne cessez de manifester pour en savoir plus sur tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous réalisons cette émission au lendemain, mesdames et messieurs, des affrontements une fois de plus signalés dans plusieurs territoires en province du Nord Kivu. Les Wazalendo qui n'abdiquent pas justement, ils sont toujours en train de répondre aux attaques. Il y a des fois qu'eux-mêmes attaquent les ennemis. C'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs. On le disait, cette semaine, elle est très décisive. Au-delà du fait de la donne diplomatique avec les différentes discussions qui vont reprendre entre la République démocratique du Congo et les Rwanda, sur les lignes de front, mesdames et messieurs, le cessez-le-feu est loin d'être respecté. Les FRDC sont en train justement de l'observer, mais d'autres parties prenantes à ces conflits, d'autres parties prenantes justement dans tout ce qui se passe sur les différentes lignes de front, sont en train justement de s'affronter. Et là, nous avons les Wazalendo qui défendent leur territoire. Ils font toujours face à la coalition RDF M23 AFC. C'est en tout cas toute une confusion dans laquelle on a embarqué toute l'opinion en nous parlant justement de toute cette coalition. Mais nous connaissons tous que le Rwanda est en train d'agir d'une manière active en République démocratique du Congo. Il ne faut pas aussi oublier l'Ouganda qui joue un rôle aussi très important, non seulement dans la logistique, même les renseignements. Et l'Ouganda sert toujours des cadres pour les M23 RDF, en fait justement de préparer toutes, de préparer les offensives. Les réunions donc sont tenues la plupart des fois, c'est en Ouganda. Voilà pourquoi nous allons, mesdames et messieurs, vous en dire un peu plus, pour que vous puissiez aussi avoir une idée globale de tout ce qui a caractérisé la journée de mercredi 11 septembre 2024. Je parle du territoire de Rutshuru, le territoire de Masisi et le territoire de Lubero. Il y a eu des affrontements, mesdames et messieurs, et pourquoi ne pas vous en dire plus. On y va directement avec tous les détails, parce qu'on a essayé un peu de contacter certaines sources pour avoir une idée aussi globale de la situation à Rutshuru, plusieurs groupements concernés. À Masisi aussi, il y a même des fois où des grandes agglomérations dans le territoire de Masisi ont vibré aussi par les tirs entre Wazalendo et les M23 RDF. Alors, des combats violents comme vous pouvez le constater, et je viens même de l'affirmer en introduisant cette émission, opposent depuis la matinée, des combats qui ont plutôt opposé depuis la matinée de mercredi 11 septembre, parce que pendant toute la journée, ces affrontements ont été signalés. Les rebelles M23 qui sont toujours soutenus par les Rwanda, et en face, il y avait les groupes armée locaux du Wazalendo, parce que c'est plusieurs factions qui se mettent ensemble justement pour défendre le pays. Ils ont vu que c'est vrai, l'ennemi vient aussi bien, en étant bien préparé et avec une mission claire. Alors, au-delà du fait justement de s'opposer à l'interne, tous ces groupes des gens, tous ces groupes armés, les civils aussi qui sont venus s'ajouter, se sont mis ensemble et voilà dans ce qu'on appelle les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Et là, il n'y a pas justement pour dire ça c'est un groupe de tels. Non, non. Ils se sont tous mis ensemble pour justement défendre les pays. Alors, ces affrontements ont été signalés dans les groupements Kibabi, selon des sources concordantes. Et déjà, comme je viens de vous le dire, c'est depuis le matin d'hier mercredi que ces combats dans les collines de Kabingo, Katingita, c'est toujours dans le groupement Kibabi, voilà, côté ouest de la cité de Rubaya. Voilà, c'est justement à l'ouest de la cité de Rubaya. Rubaya dans le territoire de Masisi, une zone aussi minière aujourd'hui qui est toujours entre les mains des RDF M23. Alors, pour plus aussi des rappels, parce qu'avec tout ça, mesdames et messieurs, vous allez voir que c'est presque les mêmes stratégies avec lesquelles l'ennemi est entré de revenir. Alors, d'autres combats, comme on peut le constater, ont été enregistrés dans le groupement Bukombo. C'est toujours dans le territoire de Rutshuru, entre les combattants CMC et les M23. Alors, toujours dans la matinée, des détonations d'armes lourdes et légères ont été aussi entendues dans les territoires de Lubero. Parce qu'à Lubero, là, c'est aussi
suis toujours au combat entre les Wazalendo, les M23, Akatwa et Kikovo. Là, c'est dans le territoire des Lubero. Je vais aussi revenir sur ces points-là pour vous montrer encore une fois l'intention de l'ennemi, c'est qu'il est en train de planifier. Parce que oui, il veut toujours avancer vers dans la partie nord de la province, et c'est pour s'emparer des différentes entités. Alors, les plans qui est déjà connu, et les Ouazalendo sont en train de réagir tout en stoppant justement l'ennemi pour qu'il n'atteigne pas certains objectifs. Parce qu'ils savent, si une fois il avance sur ses fronts, ce sera aussi difficile de les stopper, tenant compte aussi du contexte. Parce qu'il y a des grandes agglomérations où on aura toujours du mal à faire les combats parce qu'il y a des populations qui sont toujours là-bas. Et l'ennemi veut justement en profiter en utilisant la population comme étant son bouclier. Les boucliers humains qu'il crée encore une fois, ça se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province dit Nord Kivu. Alors, dans d'autres entités. Parce que ces violents combats, mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement dans les zones que je viens de citer précédemment. Alors, d'autres combats ont été signalés, justement, toujours entre les M23, appuyés par les RDF. Ils ont encore une fois fait face aux Wazalendo du groupe d'autodéfense CMC, encore une fois. Les mêmes mercredis, sur l'axe Kizimba-Sisa, dans le groupement Bukombo, comme je viens de le dire. Donc, le groupement Bukombo a connu aussi une journée exceptionnelle avec des affrontements signalés ça et là. Et c'est toujours dans les chefferies, dans la chefferie pardon, des Bouito, territoire des Rutshuru. Alors, selon les différentes sources qu'on a essayé un peu de recouper, depuis Kizimba, ces combats sont situés dans les villages Sisa, Rubona et ailleurs, à plus ou moins 4 km de Kizimba. Voilà, c'est toujours dans des entités, en tout cas, qui sont plus proches. Et ça, c'était donc des affrontements à tour de rôle. Tantôt c'est Kizimba, tantôt on a vu aussi Rubona, toujours dans cette chefferie des Bouito. Et là, c'était des détonations d'armes, une fois de plus, lourdes surtout dans la zone, qui ont créé même une psychose dans les centres de Kizimba. Des populations, là, on n'a pas un nombre important de gens qui sont restés là-bas, mais d'autres sont toujours rentrés, se déplacer. Malgré les accrochages, une accalmie, justement, est observée maintenant là dans la zone. Et c'est justement un habitant de Kizimba qui essaie un peu de donner cette précision. Alors, cette même situation, il faut le préciser, a été aussi vécue au niveau des Boucholi, Kinyabougize, entre les groupements Bichoucha et Boukombo aussi, et c'était depuis 5 heures. Voilà, c'est tôt le matin que ces affrontements ont donc commencé, et des accrochages signalés aussi, sans que des dégâts énormes ne soient rapportés dans les centres des Bichoucha. Alors, les bilans de ces échanges, mesdames et messieurs, des tirs restent aussi à élucider parce qu'on n'a pas assez de précision si les pertes, c'est au niveau de l'ennemi ou soit les Ouazalendo ont enregistré des pertes. Mais comme c'est Ouazalendo, on a la facilité de les contacter et eux-mêmes essaient un peu de nous donner certaines précisions. Donc, de leur côté, ça marche. Pour l'ennemi, la chance qu'il peut avoir, c'est de se retirer de là où justement il voulait aussi mener ses fronts face aux Ouazalendo. Et là, s'il se retire, il aura peut-être la chance d'aller encore une fois pour, comme il le fait toujours, préparer d'autres assauts. Parce que ça, nous connaissons tous sa stratégie, tout ce qu'il fait comme aussi action face à ces Ouazalendo. On les repousse et lui, il se replie directement pour se réorganiser et mener d'autres offensives. Qui a attaqué en premier? Cette question ne trouve toujours pas de réponse. Si ce sont les Ouazalendo, donc tout ce qu'on disait depuis la semaine passée, pour les Ouazalendo, les faits, ils étaient toujours en train de résister, tout en repoussant l'ennemi, mais ils étaient aussi butés à un sérieux problème d'effectifs parce qu'il y avait aussi l'envie de se constituer en force d'occupation, mais vu qu'il n'y avait pas aussi des effectifs beaucoup plus larges, on les a vus toujours se replier dans leur zone d'origine ou de provenance. Alors, comme ils sont en train de se réorganiser, ils organisent toujours un recrutement permanent pour se rassurer qu'ils ont aussi des effectifs pour chercher comment aussi à se constituer en force d'occupation. Parce que quand vous libérez une entité et que vous n'y arrivez toujours pas à y rester, ça pose toujours problème. Et ils ont compris cela et je pense qu'ils sont en train d'y travailler. Mais quand on les voit aussi attaquer, ce n'est pas justement pour inquiéter tout simplement l'ennemi, mais c'est pour le montrer que
Nous sommes aussi forts, et si vous osez encore une fois revenir pour mener les assauts contre nous, vous allez subir des mesures beaucoup plus répressives, et ça sera beaucoup plus fatal pour vous. Il est faux. En tout cas, sur ce point, moi, je pense que les Ouazalendo n'ont pas dit leur dernier mot, et nous pouvons toujours compter sur eux. Alors, comme je le disais, jusque-là, les bilans de ces échanges de tirs restent à élucider, car jusqu'à présent, les tirs peuvent aussi toujours se faire entendre. À tout moment, ça peut changer, mais jusque tard dans la soirée, il y a une accalmie qui s'est observée dans toutes ces zones, et c'est beaucoup plus dans les entités de Bukombo. Mais une paralysie, justement, des activités champêtres surtout, et de la circulation sur la route Kichanga-Bukombo sont toujours signalées. Voilà, il y a une paralysie, mais les activités ne se déroulent pas comme c'est toujours le cas, parce que les affrontements ont été aussi rudes entre les différents protagonistes. Alors, ces événements qui font justement suite à une attaque survenue à Moulimbi entre ces belligérants. Qui a attaqué les premiers? Voilà, cette question ne trouve toujours pas des réponses. Voilà, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut retenir. Là, je le disais, c'est dans les territoires de Rutshuru où ça a beaucoup plus chauffé. À Masisi, oui, il y avait aussi quelques cas signalés, mais ce n'était pas justement avec beaucoup d'intensité comme nous pouvons le constater dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes justement en train de voir comment est-ce qu'il y aura d'autres précisions et savoir comment est-ce que la journée est en train d'évoluer. Parce que comme je le disais, à tout moment, ça peut changer et les populations ont compris les tactiques de l'ennemi. Elles ont compris directement. Voilà pourquoi, quand il y a accrochage, les populations quittent la zone pour aller justement s'installer là où ça, il y a justement un calme. Mais à tout moment, vous le savez, mesdames et messieurs, les conditions sont aussi mauvaises dans tous les sites des déplacés. C'est toujours très compliqué. Et quand on voit des populations venir encore une fois augmenter les nombres, c'est très compliqué. Très compliqué. Là, ce sont tout simplement des déplacés internes. Aucun Congolais n'a pris la direction du Rwanda. De l'Ouganda aussi. Depuis que ça a commencé, toutes ces histoires, ils jugent bon de traverser, hein, de faire le chemin de plusieurs kilomètres pour être à Goma ou voire même dans des milliers environnant la ville de Goma et ne pas s'exposer au diktat de l'ennemi. Parce que quand l'ennemi prend une entité, il fait tout ce qu'il veut. Vous ne voulez pas collaborer avec lui, vous ne voulez pas jouer à son jeu. Directement, il s'en prend à vous et c'est toujours des exactions, comme nous le disons toujours, qui sont observées à Rutshuru, Masisi, même dans les territoires des Lubero. Comme je parle du territoire des Lubero, là, ce sont bien sûr des affrontements aussi. Et c'était dans la matinée de mercredi. Donc, c'était une matinée très compliquée sur plusieurs lignes de front, dans les trois territoires. Voilà, et c'est encore les rebelles du M23, toujours les mêmes, avec bien sûr leurs alliés de taille, qui les appuient en termes de logistique, les effectifs, même d'autres points très importants, et là c'est les renseignements, les Rwanda, avec les RDF, qui sont toujours en train de sinistrer aussi. Alors, les Ouazalendo qui ont répondu aussi aux attaques de ces derniers sur les positions des Katoa vers Kikouvo. C'est dans le territoire des Lubero. Et c'est encore une fois les sources concordantes qui essaient un peu de nous en dire plus par rapport à ça. Alors, Kikouvo, vous le savez, ça reste toujours le théâtre de toutes ces tentatives de l'ennemi. Parce qu'il veut toujours aussi avoir une influence beaucoup plus renforcée dans le territoire des Lubero. Parce que pour avancer, il lui faut d'abord conquérir des entités aussi stratégiques. Parce qu'il veut avancer jusqu'à Butembo. Et là, la résistance l'attend toujours. Parce que j'ai vu des jeunes à Butembo se réorganiser, font même des patrouilles pour attendre l'arrivée de ces derniers. Alors, comme ils sont encore loin, même là où ils sont pour avancer, ne serait-ce que pour 20 km, c'est tout un problème. Parce qu'ils sont toujours stoppés par quelques Ouazalendo qui sont restés là-bas. Je vous dis, ces Ouazalendo ne sont même pas nombreux. Mais comme il y a une détermination patriotique, vous le voyez justement entrer
de nous montrer le meilleur des mêmes en résistant face aux assauts de l'ennemi, tout en se rassurant justement que derrière, il n'y a pas aussi toutes ces infiltrations. Parce que pour les Ouazalendo, ils sont aussi stricts par rapport à ça. Et je pense que c'est une bonne organisation. Parce qu'on disait pour les FARDC, il y a toujours des infiltrations. Mais pour les Ouazalendo, l'ennemi plutôt cherche à créer aussi des Ouazalendo pour qu'il y ait, en tout cas, ce parallélisme entre les deux. Et ça va créer même une confusion au sein de la population. Parce que tout ce que nous voyons, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les faux Ouazalendo, pour être précis, qui viennent pour semer des désolations dans les milieux urbains comme Goma. Et là, les gens vont commencer encore une fois à s'apprendre aux Ouazalendo. On l'a toujours dit, les vrais Ouazalendo doivent être sur les lignes de front. Parce que ce n'est pas à Goma où l'ennemi est en train de faire les échanges de tirs avec les FARDC pour se constituer à des Ouazalendo ici. Donc, si vous êtes des vrais Ouazalendo, les recrutements d'ailleurs commencent et continuent. Allez vous faire enregistrer et voir si c'est possible de vous associer aussi dans les différentes opérations. Et pas rester ici à Goma, je ne vois pas ce que vous faites ici à Goma. Goma jusque-là, c'est vrai, nous parlons toujours de la menace, mais ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Parce que comme les fronts au niveau des Sakés n'est plus aussi observé, il n'y a plus des affrontements là-bas, ça veut dire concentrez-vous justement tout près de là où se trouve l'ennemi. Si vous voulez justement faire face à lui comme il faut, allez là-bas. Et non plus encore une fois rester dans les milieux urbains pour créer des histoires qui nous poussent encore une fois à se poser beaucoup de questions sur les vrais statuts de ces Ouazalendo. Donc, ceux-là qui sont en train d'en découdre avec l'ennemi dans les territoires des Lubero pour les stopper afin qu'ils n'avancent pas, font un travail de titan. À Massissi, c'est la même chose parce qu'aujourd'hui, si Bouéré d'abord est toujours entre les mains des FARDC et des Ouazalendo, c'est pas parce que l'ennemi ne veut pas s'emparer de cette entité. Il l'a tenté à maintes reprises, mais il y avait toujours une résistance. Alors pourquoi ne pas aussi aller appuyer ceux-là qui sont en train de faire ce travail, comme vous vous appelez aussi Ouazalendo, et pas rester dans la ville en train de nous embrayer inutilement. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui doit aussi nous intéresser aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes dans la résistance, mais on ne va pas s'arrêter pour résister. Parce qu'il y aura un moment où, si nous voulons continuer dans cette posture, l'ennemi viendra avec une autre force et on aura du mal même à résister face à lui. Voilà pourquoi, comme il est en train de multiplier des stratégies, nous pouvons le faire aussi. Les Ouazalendo peuvent multiplier des stratégies, peuvent se constituer, peuvent se renforcer aussi. Laissez les FARDC dans l'air, cesser les faits. Le moment viendra pour les FARDC aussi d'intervenir. Mais comme elles n'interviennent pas, rassurons-nous aussi que l'ennemi n'arrive plus à récupérer d'autres entités, qu'il reste d'abord avec celles qu'il contrôle, le temps pour nous de se réorganiser, de se renforcer et avoir une logistique aussi nécessaire pour lancer les offensives contre ces derniers. Les Ouazalendo peuvent faire aussi des offensives, mais il faut d'abord se rassurer que l'effectif est aussi large pour obtenir tout ce que nous sommes en train d'attendre d'eux. Mesdames et messieurs, déjà nous allons mettre un point sur notre production du jour sur Congo Live Télévision, comme je le disais. Commentez toujours tout en apportant aussi vos contributions en termes d'idées. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, parce que tous ceux-là qui prennent des décisions sur les plans politiques ne sont pas aussi des anges pour dire qu'ils maîtrisent tout. Il y a là où eux aussi sont limités. Voilà pourquoi vos avis sont aussi les bienvenus. En tout cas, ici, ils n'arrivent pas aussi à prendre avec beaucoup de considération ce que vous proposez. Ne vous en faites pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas marcher, ça ne sera plus en tout cas à la responsabilité de la population. Donc la population est toujours appelée à jouer son rôle. Et c'est là qui gère les pays, doivent aussi jouer leur rôle, tout en étant beaucoup plus exigeant envers eux. Et l'exigence doit venir de cette population. Tout est possible, nous croyons que ça va arriver, parce que c'est vrai, cette histoire, nous tendons déjà vers la... Nous sommes dans la troisième année, justement. D'ici décembre, la guerre va faire 3 ans que nous avons les déplacés, et c'est toute une catastrophe humanitaire, justement, si vous essayez un peu de voir tout ce qui se passe. La prise en charge pose toujours problème et les gens continuent toujours à remplir les sites
Les sites sont nombreux. On parle aujourd'hui d'une affaire de 3 millions. Toujours seulement dans la province du Nord Kivu. Ce n'est pas aussi quelque chose qu'il faut minimiser. Il y a des pays qui n'ont même pas une population qui atteint même ces chiffres-là, des 3 millions. Il y a des pays dans ce monde. Mais comme nous, nous avons maintenant, ce sont des déplacés internes dans une seule province. Nord Kivu, et là, c'est trois territoires, Lubero, Masisi, Rutshuru. Il ne faut pas aussi oublier Nyiragongo qui fait quatre territoires déjà concernés par tous ces déplacements des populations. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. En tout cas, Congo Live Télévision, toujours à votre compagnie. Je sais que vous avez aimé. Voilà pourquoi nous vous demandons de faire des commentaires. Vous pouvez aussi aimer. Pourquoi pas partager? Pourquoi ne pas aussi partager? Et vous pouvez partager si l'émission vous a intéressé. Je crois que ça vous a intéressé. On se retrouve donc demain pour d'autres productions. Et ça sera pour nous un plaisir d'être là devant vous.